Je l'espère. Et si cet ennui me plonge dans une nostalgie un peu triste, alors ici se dessine le point de départ d'un voyage aux accents d'un onirisme qui seul sait éveiller le cœur, élever l'âme et soutenir le corps. Je suis pas petit, je suis loin. Bonjour à tous, Melinda, donc de l'agence MCOM RP. Je suis donc en présence de Lionel Cecilio, ici présent, qui nous fait l'honneur donc d'être interviewé par nos soins après le spectacle Voyage dans les mémoires d'un fou. S'il vous plaît. Tout au programme, on a eu l'opportunité, la chance d'être à cette générale presse pour assister donc à ce spectacle. On va revenir donc par cet échange sur le parcours de Lionel quant à l'arrivée de cette, quant à la façon en fait dont il a amené ce spectacle ici. Pourquoi on est là finalement? Quel est le parcours qui explique le pourquoi du comment? Pourquoi on est là? Et ensuite, on va parler de cette manière intelligente et poétique de croiser les arts, de croiser les thématiques pour en faire un spectacle. Ce spectacle, ce soir. Et enfin, nous allons finir sur une phrase qui a pimenté, qui est revenue souvent dans le spectacle, que je vais vous citer par la suite, et sur laquelle on va rebondir pour que Lionel nous donne sa vision de son métier. Voilà. Voilà le programme. Donc, Lionel, merci en tout cas de répondre à mes questions. Avec grand plaisir, bonsoir. Donc oui, ton parcours, les moments clés de ton parcours, et puis ce qui fait qu'on est là, réunis ce soir, est-ce que tu peux nous... Clairement, de manière hyper concrète, ce qui fait qu'on est là ce soir, c'est que le spectacle a été programmé par Sandra Gabriel, qui travaille ici au Théâtre L'Archipel, après qu'elle l'ait vu au Théâtre Pixel Avignon, à Avignon, qui est un petit théâtre qui est très récent, qui a 3 ans je crois. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de jouer mon spectacle dans ce tout petit lieu. J'y ai invité tout ce que Paris fait de programmateur pour essayer de le faire rebondir. Ça n'a pas toujours été facile, mais ce qui nous a beaucoup aidé, et pour moi c'est une grande fierté parce que ça s'inscrit complètement dans la dynamique de ce que je raconte sur scène, c'est que le public nous a servi avec un bouche à oreille solide, non-stop et crescendo. Et ce bouche à oreille a fini par alerter ici et là des journalistes, des blogueurs et puis des programmateurs. Et puis petit à petit, les gens ont fini par se déplacer. Et Sandra fait partie de ces gens qui croient en la parole du public. Elle entendait que ça bourdonnait, qu'il se passait un truc. On était très peu vus, on tournait à une quarantaine de personnes par représentation et on était déjà très heureux de les avoir. Et tout d'un coup, elle est venue au milieu de ces gens-là et en sortant, elle a dit « bah moi, ça m'a beaucoup plu ». Et voilà, ça s'est arrêté là, on s'est serré la main. Mon Avignon a continué. Et en septembre, octobre, je ne sais plus, elle m'a téléphoné. Et elle m'a dit si t'es partant, je te programme au Théâtre Archipel. Donc, très bien. Tu as fait le parcours Avignon-Paris. Pour le spectacle, le bouche à oreille a fonctionné. Mais si on revient sur ton parcours à toi, donc tes parents sont portugais. Ouais. Si j'ai bien lu, tu as vécu en Seine-Saint-Denis. Ouais, je suis né et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis jusqu'à l'âge de 20 ans. Et en fait, j'ai déménagé à Paris intramuros quand j'ai commencé à faire ce métier, mais je me sens toujours proche de cet environnement qui m'a vu grandir et pour lequel j'ai un affect assez particulier. Est-ce que tu t'es pas nourri justement de cette diversité, de ces thématiques, de ces cours énormément. Moi je revendique, je m'interdis d'appeler ça le 9-3. Je comprends pas bien d'ailleurs cette stigmatisation qui se veut positive ou négative, on sait pas trop où ça se positionne. C'est quand ça arrange tout le monde, tout d'un coup parce que ça fait vendre un album, on dit que c'est le 9-3, puis tout d'un coup quand ça fait vendre un gros titre dans la presse, on dit que c'est
la Seine-Saint-Denis, on ne sait pas trop où on se positionne. Moi, je grandis dans un département qui vaut ce que valent plein d'autres départements, mais qui a la chance et l'opportunité d'être un département qui génère et qui véhicule beaucoup de mixité. Et okay. Cette mixité, pour moi, c'est une richesse folle. J'ai grandi avec des copains et des copines de partout, de tout type de couleur de peau, de tout type de religion, de tout type de culture. Moi, j'ai autant de potes qui sont bouddhistes, musulmans, qui mangent des graines, qui sont véganes. J'ai aucun souci avec tout. Voilà, j'ai un panel de gens. Et cette richesse-là, pour moi, elle me nourrit encore aujourd'hui. Malheureusement, parce que le métier fait que je suis happé et que je bouge beaucoup et que j'ai déménagé, tout ça, j'ai de moins en moins le temps d'aller... me balader là où j'ai grandi, mais j'ai un affect particulier pour cet endroit. Je suis ce que je suis aussi grâce à ce département, et je parle du département dans son ensemble parce que j'ai pas mal vadrouillé dans toutes ces villes, parce que moi je joue au foot, et en fait quand tu joues au foot tu changes d'équipe à droite à gauche, tac, tu vas jouer là, tu vas jouer là-bas, et c'est pas un visage mais plusieurs visages en fait qui dessinent le exactement. Alors la France dans son absolu, bien sûr, souvent il y a des gens qui disent oui, moi je voudrais qu'il y ait une France qui me ressemble. Bah non, c'est super prétentieux papa. Moi, je veux une France qui ressemble à elle-même. Si la France me ressemblait, elle aurait 30 piges, elle serait brune et elle serait pas très grande. C'est ennuyeux. Oui, ça m'amuserait pas des masses, tu vois. Moi, je veux une France qui soit multiculturelle, qu'elle ressemble à tout le monde et à personne en même temps. C'est ça qui est fou. Donc oui, j'ai grandi là et je revendique ça. Et comme tu disais, cette richesse du nombre de personnages et de la diversité des personnages que je raconte dans mon spectacle, elle vient aussi de là et aussi de quelque chose que m'a donné l'endroit où j'ai grandi et les gens avec qui j'ai grandi, et qui est pour moi ma chance absolue dans la vie, une curiosité incroyable. J'ai une curiosité folle à aller entendre, écouter, regarder, voir ce qui se fait, mélanger des univers. Voilà, moi je pense que tout ce qui fait de quelqu'un qu'il a une différence vis-à-vis du reste de la masse doit être une porte ouverte pour amener la masse à découvrir cette différence, plutôt qu'une porte fermée sur un communautarisme. Donc oui, c'est une richesse folle et je la revendique. Sans jeu de mots, parce qu'il traite aussi de la religion dans son spectacle, j'aurai l'occasion de le voir, mais tu prêches une convaincue. nous on promeut la diversité en entreprise, et c'est vrai que tout ce que tu dis là, je le défends avec conviction et passion. Mais j'ai vraiment aimé cette idée que dans ton spectacle, tu donnes la chance à la différence. Tu donnes la chance à l'authenticité, tu donnes la chance à être soi sans aucun complexe et au contraire en étant fier. Et ça, je pense que la jeunesse, notamment d'un pays, pas que la jeunesse, hein, mais les gens ont besoin d'entendre ce genre de message, et je te remercie de le véhiculer dans ton spectacle, sincèrement. C'est ce que dit le personnage de Jeanne d'Arc dans le spectacle, c'est que, on appelle différence quelque chose qui est différent de la majorité. Or, la vérité du nombre n'a qu'un temps. Quand cette majorité aura basculé de l'autre côté, la différence sera de l'autre côté. Si on vivait dans un pays où 99% des gens étaient blonds, le différent, ça serait brun, mais il suffit qu'avec les années, avec la diversité, avec le mouvement des populations, etc., les choses évoluent et que tout d'un coup, il n'y ait que des bruns, le différent, c'est le blond, et ainsi de suite, quoi. Et donc, du coup, moi, je ne sais pas ce que c'est une différence, puisque cette différence n'existe qu'à l'endroit où on veut bien la faire exister. Moi je suis différent ici, je suis pas différent là-bas, et puis tout d'un coup je suis pas différent ici, je suis différent là-bas, ça ne veut rien dire. Donc moi je sais pas ce que c'est une différence. Donc du coup, dans le spectacle, je parle des autistes, je parle des muets, je parle des aveugles, je parle des sourds, je parle même des gens de qui on dit qu'ils entendent des voix comme s'ils étaient fous, alors que peut-être juste ils ont juste un sens de plus que la majorité des gens, et puis on n'a pas fini d'écrire l'histoire de l'humain. Je parle de tous ces gens-là et je dis ces gens-là, ils sont là et moi je les aime, quoi. Mais tu leur fais honneur avec brio. Merci beaucoup. Merci. Et tu vois, je suis sur ta biographie, et puis quand je vois artisan de l'art, forcément, je trouve que ça reflète bien ce que tu dis. Parce qu'un artisan, c'est quelqu'un qui est minutieux, c'est quelqu'un qui a la passion pour son métier, c'est quelqu'un qui a l'écoute de son environnement, qui ne cesse de se perfectionner, et je pense que tu vas continuer à te perfectionner, même si tu es déjà bien brillant. Merci beaucoup. Mais tu es quelqu'un d'ouvert, donc tu vas le faire... facilement. Pour dernière question, le temps étant précieux, une phrase est revenue souvent, ouais. C'est la façon dont je l'ai mémorisée, hein. Ouais, bien sûr. Mais j'ai entendu donc la phrase suivante, le poète est un prophète. Comment du coup tu considères, en faisant l'analogie, en tout cas le parallèle, comment tu considères du coup ton art
Alors là, vu comme la question est posée, ça sous-entendrait qu'on attend une réponse où l'art s'installerait dans la société comme une nouvelle forme de croyance, de religion, etc. Et je pourrais aller vers là. Mais le souci, c'est que je pense pas que quand je dis dans le spectacle le poète et le prophète, je parle du poète d'un point de vue comme un métier, comme un artiste. Je crois que je parle plus d'une vision de la vie. Je pense que un banquier, un comptable peut, à un moment ou à un autre, aborder la vie avec de la poésie et devenir poète. Et ce que je veux dire dans le spectacle à ce moment-là, c'est que finalement, un prophète, c'est quelqu'un qui vient apporter une parole, qui vient apporter une forme une manière d'être un guide, alors ça peut être spirituel ou pas, mais en l'occurrence, oui, on vient la coller, l'ajuster à la religion. Moi, je pense que le guide, que l'axe de la parole peut être donné par des gens qui ont une vision de la vie plus poétique que ce qu'on en a aujourd'hui. Je trouve que les gens sont beaucoup trop terre à terre, les gens dans l'absolu, et moi le premier, je m'inscris complètement dans cette société, que la société nous pousse à être de plus en plus des gens hyper concrets, hyper terre à terre. Moi, l'autre jour, je parlais avec un chauffeur de taxi qui me disait je gagne 10K, mais c'est quoi KE? Qui dit oh, gars, oh, je comprends pas tout 10 ça. 10 kilos? Voilà, c'est ça. Et ça veut dire 1000. 10KE, c'est 10 000 euros. Oui, et en fait, il y a quelque chose comme ça où on vient t'interdire d'être. Et c'est ce que je dis à la fin du spectacle. Ils m'ont pris pour un poète, c'est-à-dire un fou, mais le poète est le prophète. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu commences à voir la vie avec de la poésie, on dit ah, celui-là, il a de l'imagination. Hein. Alors que je crois pas. Je crois que finalement, il faut beaucoup plus d'imagination pour faire tourner le monde avec de la monnaie fictive que pour voir une fleur naître et y découvrir toute la passion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu en parles dans ton. Justement, tu dis, il faut, pour vivre ta réalité, il faut d'abord croire. Et c'est, vrai que, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se voient pas et qui sont pourtant réelles. La bourse est fondée quand même sur la confiance. Donc, si ça ce n'est pas immatériel, qu'est-ce que ça... Mais comme tout le monde y croit, ça existe. Et, oui, et moi, je voilà. dis, pourquoi est-ce qu'on croirait plus en de la monnaie fictive qui fait tourner le monde et qui met des pays à genoux et des peuples à genoux et des gens meurent de faim? Pourquoi est-ce qu'on croirait plus en ces choses-là que en la solidarité, l'enfance, l'amour, l'enfance, la poésie, toutes ces choses en lesquelles les gens ne croient plus, qui du coup de fait n'existent plus, alors qu'elles sont l'essence et la base même de notre vie en communauté, de notre vivre ensemble, de notre vie tout court. Alors là, je suis complètement d'accord avec cette, ça, on est cette vision bon. De la vie, ça on est d'accord, ok, c'est bon, on a l'essentiel je pense, hein, pour parcourir une vie des plus intéressantes et des plus harmonieuses. Très bien. En tout cas, tu arbores ce rôle d'artisan de l'art avec magnificence et ne change pas. Si tu avais une dernière question, si tu avais une pièce idéale, ce serait quoi ta pièce idéale? Une qui existe ou une que non, justement, on vient de parler d'imagination. Qu'est-ce que tu voilà sans aucune limite, qu'est-ce que tu imaginerais comme pièce idéale ou comme thématique idéale qui serait dans cette pièce? Ce serait quoi enfin, ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, ce serait plus en termes de mise en scène que de thématique, parce que l'avantage au théâtre, c'est que les thématiques, tu peux les aborder. C'est-à-dire que contrairement au cinéma, ça ne me coûte rien. Là, on vient de passer 1h15 ensemble, je vous ai emmené au Brésil, j'ai fait vivre Dieu, il a discuté avec Einstein, rien ne m'est impossible. Le théâtre me permet, j'ai même fait descendre Jeanne d'Arc du bûcher en fait. Donc, alors là, c'est une performance. le théâtre me permet de tout faire. Donc en termes de thématique, j'ai aucune limite. Il n'y a rien qui me limite. En réalité, là où j'ai des limites et là où du coup j'aurais des rêves, ça serait en termes de moyens et donc en termes de scénographie et de mise en scène. Et là, imagine, tu as tous les moyens du monde. Qu'est-ce que tu ferais dans le rêve le plus fou? Puisqu'on est quand même tu nous as fait voyager dans les mémoires d'un fou. Ouais. Donc pour clôturer cette interview, qu'est-ce que tu aurais comme rêve le plus fou? Oublie les moyens. Pour le théâtre, hein, on est d'accord. Hein. Pour le théâtre. Ah ben, je pense que mon rêve le plus fou, ce serait, à titre personnel, et c'est ça qui me ravirait de bonheur, ce serait cette pièce-là ou une autre, mais celle-ci, ce serait vraiment fantastique. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que je viens de dire que nos limites sont là où il y a des moyens matériels, et en vérité, je vais te donner une réponse où il n'y a justement pas besoin de moyens matériels. Et d'ailleurs, c'est un rêve le plus fou. En te le disant là, il est dans ma tête, je suis en train de me rendre compte qu'il est réalisable et je vais le réaliser. Mon rêve le plus fou, ça serait de partir à l'ancienne,
Quand je dis à l'ancienne, je repars au 17 et 18e siècle. Je voudrais aller jouer ce spectacle pour le monde entier avec une roulotte, déplier une scène sur des places de village et aller jouer ce spectacle avec zéro moyen, juste dire le texte, rencontrer des gens, faire écho dans des chœurs, là où ça fait pas écho, ça fait pas écho, rencontrer des gens, boire des coups, manger une soupe et continuer ma route et être un nomade du spectacle. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Mais il y a une petite contrainte, c'est que ça voudrait dire que je serais très loin de ma famille pendant longtemps et j'aime beaucoup trop ma famille pour ça. Ah. Donc, effectivement, la contrainte n'est pas matérielle, mais elle est de taille. Donc, je ne sais pas si je vais le réaliser si simplement que ça. Rendez-vous dans un an, je vais y réfléchir, je mets les trucs en place, je vous tiens au courant. Si ça se fait, je mettrai une petite caméra sur la route et je vous embarque tous les gens du blog là avec moi sur les routes de France. C'est promis. Alors là, tu parlais des sourds dans ton spectacle, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Ça, c'est sûr. Et franchement, si. J'ai aussi la légitimité pour faire les tournées. Donc, si je peux t'aider à réaliser ce rêve tout en prenant en compte justement cette condition familiale, eh bien, écoute, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci énormément à Lionel. Parce que sincèrement, j'ai eu plaisir à l'interviewer. Tu es un enchantement. Donc, c'est parfait. Merci pour ce spectacle, ces émotions. Et je vous dis à très bientôt sur www.mcom-lucideconseil.fr, la page Facebook Agence Mcom Interculturelle et la chaîne YouTube Mcom, MKO2M. Quoi de plus simple que de s'y rendre? Là, franchement, c'est à vous de jouer. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.